senses. Bonjour fils, ça va? Oui, ça semble aller. Et vous? Oui, tout doucement, ça marche. Mais papa, à mon arrivée ici, j'ai vu une fille sortir de votre bureau. Une fille? Ah ok, tu parles de Julie, hein? Là, je sais pas. C'est la fille à mon secrétaire. Ok, ah ça tombe bien. Là, j'espère que j'ai trouvé la femme de ma vie, papa. Fils, on ne trouve pas la femme de sa vie à première vue, hein? Mais c'est pour cela que je t'ai posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler avec sa mère? Fils, tu n'es pas venu ici pour suivre les filles ou suivre les femmes, non. Tu es venu ici parce que j'aimerais que tu puisses t'imprégner de ce que je fais. Là, comme ça, tu peux tout le temps commencer à m'aider par rapport aux activités de l'entreprise. Alors, si déjà tu n'as que 2 semaines à Kin, tu commences déjà à te préoccuper des femmes. Je crains beaucoup que tu arrives à faire ce que j'aurais besoin que tu puisses faire avec moi. Donc, essaie un peu de te concentrer aux choses plus importantes que de te pencher beaucoup plus aux femmes. Et surtout, il faut savoir que les femmes ne nous aident pas à avancer. Hein. Si tu te mets trop de femmes dans la tête, tu ne vas pas avancer. Hein. Mais comment je peux faire les choses saines, papa? Rassure-toi d'abord que tu fais un bon choix. Je ne veux pas que tu me ramènes des gens aujourd'hui, tu m'amènes une fille, demain encore une autre fille. Ça va? Alors, je pense qu'on a résolu ces problèmes. Parlons maintenant des choses plus sérieuses. Papa, mais c'est bon. Oui. Voilà pourquoi na lingaina mi mabino awa. Donc vous et puis mon secrétaire et sa fille. Comme ça, toi qui Rio. C'est une bonne chose. Oui, ils ont vraiment une belle cuisine ici. À propos, j'allais te dire ça, mais je profite de l'occasion pour te féliciter par rapport à diplôme nayo. Je suis très content parce que l'investissement dans la classe est rapporté. Généralement, quand les parents envoient les enfants en Europe pour étudier, ils ont dit que bon, là-bas, ils se sont donné beaucoup plus dans des choses qui ne sont pas commodes. Mais voilà, tu as fait preuve d'un monsieur. Tu m'as ramené les diplômes. En tout cas, félicitations et ça m'a fait vraiment plaisir. Continue toujours dans cette lignée. Merci papa. Moi aussi je profite de l'occasion pour vous remercier. Vous étiez là toujours pour moi, anytime, comme on dit en anglais. Pour moi tu es le meilleur papa du monde en fait. Et par rapport à mes parents, ils s'éloignent,
même de près, même de loin, bah conseil, ils allaient rater comme si moi on est adversaire né, mais c'est pas pareil avec vous. Et ceux qui nous a l'élo ou nous a bouillé, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci papa. Merci, mais la meilleure façon de me remercier, c'est de continuer dans le même rythme. Il faut faire encore plus, 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 plus. Et ça sera une meilleure façon de me remercier. Bon, même ceux qui n'ont pas tombé dans là, je serais fier de toi en disant, voilà, il y a quelqu'un qui est resté là-bas, qui me représente valablement, qui fait les choses comme si j'étais encore en vie. Et ça sera un merci pratiquement éternel. Donc ce sera une meilleure façon de me remercier en tout cas. Félicitations mon fils pour ton diplôme. Vraiment, c'est un plaisir. Il y a honoré mes parents. Là, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Mais dans quel domaine? Là, je viens de terminer ma licence en droit, précisément à Paris. C'est bon. Oui. Vraiment, merci. Je vous en prie. Et Julie, tu fais quoi? J'ai fini en informatique. Je suis graduée. Okay. Maintenant, non. Sur une ambassade swingy, peut-être non plus aussi ça. Félicitations aussi, hein. Parce que c'est pas donné à n'importe quelle fille, hein. Généralement, je dis que quand on envoie les filles généralement à l'école, je dis bien généralement à l'école, au lebazung c'est la vie sous diplôme, babazung c'est la vie sous cas, ban al soufou ban aroboko là. Mais toi tu as fait preuve d'une femme brave, tu as ramené les diplômes et puis en informatique. Donc félicitations, il faut merci. Toujours continuer comme ça, c'est une bonne chose. Voilà, le temps va si vite. Je pense que tu m'as amené les dossiers dont je t'ai parlé au téléphone pour nos amis des mines là. Ils me rappellent un peu tout le temps. J'aimerais qu'on en parle un peu. Oui, pas oui, oui, oui. Oui, okay. J'en ai su. Fils, vous allez nous excuser un moment. Déjà? Non, non, vous nous excusez un moment, le temps de régulariser un dossier de travail. Comme ça, on revient vers vous. Ok, pas de problème. D'accord. Julie, ça va? Oui, ça va. J'en profite aussi. Néba parent, papa, baké. Julie, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, vie est à moi compliquée trop. Et ce que je voulais à te dire, n'a habité Julie. Au fond, on a oublié la fin de nos bruits. Nazo que l'eau au mot Katinamaï. Et na tamboli na ba pays moi mingi et Julie c'est rare na kuta na moi aussi lokola yo en fait genre comportement nous tu es douce tu parles lentement donc yo soya yo et c'est pelisama merci Julie na ibité na sepeli na zala na yo que tu sois là pour moi et partout non qui nous a la wana quoi. Par là, tu peux dire quoi? Qui est la meilleure amie? Ah ouais, ce que je pensais, c'est ça. Ils appellent Nana, donc, ils appellent Nana, et je préfère. Le reste, il y a vu Nana tout partager ensemble. Donc, ils ont aussi quand on a été gilet, parce qu'ils n'ont pas été. Sans toi, je ne peux pas vivre. À part classe, n'a pas tout bon dans sa ligne. Bon, oui, mon comportement, papa, je suis bien, je t'assure. T'as la scoum, t'as boué. Donc, n'a pas tout, son mon il y a zone, il y a part classe, n'a pas la soule, on sauté. Donc, rien que les études, et après, pour revenir à Kinshasa. Et bon, bit, non, il y a voyage à la Kinshasa. Non, comme objectif, et ça. Papa lingana sili sa classe ndina sili ici et koyana kina pona za la conseiller juridique et entreprise nay. Donc ça fait ça et puis na mona ke mo charge tellement conseiller juridique sans femme tu vois des raisons donc na mona un pays lourd c'est pour cela on a proposé
ozala wana pena pembe na ngakotika nga te Julie esalanga bien makasi. Ouais, na kota lango na répondre. Je suis restaurant à Bosnay. Après, papa va déplacer dans Bosnay. Mon Bosnay a Je suis allé à Bosnay. Poto si ça reste y a ma vie na biso ensemble na za mama bana pandai ki cha sa se pino tana mo si monte après ni se ke ka tuta ishili si ko réponse wana o pesa ke ya kotala eza lo kwa yo lingi ou bio lingi te o ezani ma bu ngi na réponse ishili mo bi bin ke na za na mo ban na asin Asima okomo lukaba kamuke bano amike mikata mwaba ona babale ezaka pasi ezonga epalanga omoni oyo ezansambe nde apesi biso opportunité oyo il faut ko saisir ango jamais nakolinga mabe komela yo omoni mwa mobali wana ezate ke mwa mobali moko toyebi famille na ete boye na boete aza mwa na mobali o famille na ye biso toyebi ango bien lelo soki mwa mukyo tozana ngo eza grâce ya papa ya mwa na mobali wana na musala o papa na wazwinde ezo ko ede biso mati non ça non maman s'il te plaît pour l'amour de Dieu maman il faut na bala mon bala choix na ngai pour nous ala eris na ndava di bala et non que mon bala on en bala na ebiété kaka pour nanti ma e maman vraiment soit pour y payer azo sala ah soit ta ko luka ko ye baye ya ya asim wana o yo zo ki la mawalelo so zo ka ma pa za o felin nzamba ebi nde nini akolukele o ya ye na nzela na ye nous on a pas si état sur simbita après na zo ngi ko simba e simba te point Jili, nana bino ebelete. Nasa bino kami bale. Tala ndeko na yo. Eh? Model ya vi o ndeko no azanango. Lelo o nako zela nini panaye. Asa mtu o mtu ezo sala pasi. Me yo za o zalo kwa moko mwano nga nazana ena maboko. Ifo yo ope se sengwa libota. Mama moko tako yiko tina. Moboti moko tako tinda mwane na nzela mabe Jili. Nga nako. Tu me parles de ma Julie? De ta Julie qui a pisso. Ah! Julie a baladé à Sim. Julie? Mais il y a de cela, 6 mois passés, Nazala qui vous a quitté. Mais papa, c'est que Julie est en Europe, en France, qui aussi sa étude universitaire. Je suis désormais à comment à Sim. Eh! Mon baladilla, eh! Mon baladilla, ta moto, mon gassin. Je me demande à vous, Missat. Eh! Mon baladilla. Tant qu'à Bali, j'y vais. Avant les bâtiments, ils sont là. Aïda, Julie, tu es là pour voyager toi? Jamais voyager. Julie, elle est là. Elle est là. Moi, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
Aïda, pardon, oui, ça n'a pas de numéro combien à mon forêt. Attends, il faut bien aller mon balle, mais vraiment, on a fait son ding. Mais papa, ça va, il y a un mort, mais ça, mon poids, pour ça, qui est pas bon, hein? Hein? Papa, si. Carte de visite. Carte. Carte, et là, mon papa, ça, carte. Mais bien, dans mon carte de visite. Eh, yéwana. Mais papa, ça, mon bateau, c'est important. Même c'est important, mais je crois que vous avez un agile, hein? Là, on fait ça. Un zambé. Otingi chauffeur T. Ou bien qu'il y a quelques kilos. Zéla chauffeur pour les gens qui sont là. Qu'est-ce que vous êtes? D'ailleurs, vous êtes. En fait, moi, je ne comprends pas comment les gens fonctionnent ici. Je souffre pour nos attaques. C'est comme ça. Il n'a pas raison parce que à Tiki, on a une réunion et puis on a dit qu'il y a une maman à l'hôpital et puis on a dit qu'il y a une maman. Je ne sais pas. Et on a dit qu'il y a papa! Oui, madame! Mais oui, aux gens disent, mais oui, il faut qu'il y ait une porte, papa! Hein? Oh! Mais ce type, il est compliqué. Bonjour. Bonjour. Nazolu Kamama Julie. Bien, bien, c'est Sogazali. Ndekoya Mama Carolina Salvador ya Luanda. Mama, Bazolu Kao. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai rendez-vous dans mon tour. Non, même pas, j'ai invité personne ici. Peut-être toi. Assis. Ah, Julie. Qu'est-ce que tu fais ici? Julie. C'est qui? Pourquoi tu m'avais quitté? Pourquoi tu es parti? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, à oser Panama. Julie, c'est qui? Il est qui? Il est qui ce monsieur? Bonjour papa. Et dis monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Julie. Papa. Yom te bengi saki. Comment donc on bengi saki? Vraiment papa. L'ingratitude. Tu as tout oublié. Dis-moi Julie. Ça fait déjà combien de temps que tu ne tombes plus malade? Que tu ne perds plus connaissance? Là je ne me retrouve pas. Papa, est-ce que tu peux me dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe ici? Et dis monsieur, sors. Je ne sors pas d'ici tant que tu n'auras pas dit la vérité à ta fille. Papa, je ne comprends pas. Ezanini. Papa, pardon, expliquez-moi, il ne comprend pas Ezanini. Oh. Toi, tu avais un problème de cœur. Ma mère était atteinte d'un cancer. Alors ma mère avait accepté de te donner son cœur pour que toi, tu survives. C'est pour cela qu'elle avait eu un accord avec ton père. Que moi, je devrais me marier avec toi. Tu vois maintenant pourquoi est-ce que tu ne tombes plus malade? Je suis prête à perdre ma vie pour te récupérer! Julie! 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 Julie!